Bonjour et bienvenue à la plage du Pierrier. Je suis fier de vous présenter à l'occasion de la journée internationale du surf, la première planche en pète réalisée ici en Europe, mais très probablement au monde. On a testé cette planche aujourd'hui, ici à Clarens, et puis ça flotte, ça glisse, ça surfe. Donc ça va même au-delà du symbole et ça démontre l'importance de pouvoir faire de nos objets usagés d'autres objets. Alors cette planche de stand-up paddle est le symbole entre l'union de deux ONG, Summit Foundation et Wave for Development, pour l'organisation de l'événement qui aura lieu ici sur cette même plage à Montreux, Ride for the Cause, le 1er septembre. Lors de cette journée, nous allons construire des stand-up paddle à partir de bouteilles en pète. Et c'est l'occasion à tous de montrer comment est-ce qu'on peut utiliser différemment nos déchets. C'est le symbole de l'éducation et le symbole de la durabilité. À toute l'équipe de Summit Foundation et de Wave for Development, je vous donne rendez-vous le 1er septembre ici à la plage du Pierrier, à Montreux, Clarens, pour Ride for the Cause, où vous pourrez pratiquer du stand-up paddle, vous pourrez participer à la création de planches de stand-up paddle à partir de bouteilles en pète. Alors je vous dis au 1er septembre, à tout bientôt, et si dans l'intervalle vous avez des questions, plus d'informations sur www.r4tc.org. À bientôt.